Orto.gaffe.com Comme une vache espagnole. J'ai mon président qui vient m'inspecter. Il déteste la vue de l'argent. C'est bête, hein? C'est surprenant quand même. Pourtant, moi j'adore l'argent. Alors du coup, j'ai remplacé les billets de banque par des jetons. Ah, c'est une bonne idée, oui. Oui. Mais chaque jeton vous coûtera 10 euros pièce. Vous en voulez encore? Non, merci. Ouais, ok. Ouais. 10 euros. 10 euros. Allez. Alors, pour deux jetons, aidez-moi, je mens. J'y vais. M-E-N-T-S. C'est d'accord? Oui. Oui, eh ben non, il n'y a pas de T. Méconnaissance qui vous coûte 20 euros. Je sors, je pars, je mens, je sens. Le T est sorti. Et comme il sentait mauvais et il mentait tout le temps, on n'a pas regretté qu'il soit parti. Vous le retiendrez comme ça, hein? Cette inspection est purement amicale, hein. Je suis là en ami, hein, et je tiens à vous signaler que vous êtes notre animatrice la plus rentable. Et encore, je vous donne pas tout. J'adore votre humour. Allez, merci. Pour trois jetons. Je vis aux dépens... Trois. Je vis aux dépens de ma boîte. Dépens. Comment vous l'appelez? Alors, D, E accent aigu, P... E-N-D. Et vous? Pas mieux. Et réfléchissez. Quand vous vivez aux dépens d'un homme, vous ne dépendez pas de lui. Vous dépensez son fric. N'est-ce pas, monsieur le président? Oh, j'adore votre humour. Je peux jouer avec vous? Oui, oui, d'accord. Alors, pour 5 jetons, à 10 contre 1. Vous m'appelez sans faute. L'eusses-tu cru que ton père fut lapin? Attention, la phrase a du sens. L'eusses-tu cru, ce ne sont pas les pains. Alors, l'eusses-tu cru, c'est L apostrophe E-U-2-S-E-S, trait d'union T-U, et puis cru, c'est rue. Voilà, la suite. Fut, F-U-T, avec un chapeau, parce qu'on peut le remplacer par soi. Et lapin, L-A-P-I-N. Et vous, Philippe? Pareil. Pas mieux. J'ai dit que la phrase avait du sens. L'eusses-tu cru que ton père fut lapin? Pas à cet endroit. Lapin. Oh, mais j'adore votre humour. C'est, on est tous tombés dans le panneau. Hein? Oh, vous appréciez, hein? Beaucoup. Dites-moi, heureusement que ces jetons n'ont pas de valeur, vous imaginez? Nous serions carrément ruinés. Tu penses comme moi? Ouais. Le président ne sait pas qu'on joue du fric. J'en connais une qui ne doit pas emmener l'argent. Tu m'étonnes. Pour que cela reste drôle, nous aimerions faire un quitte ou double. Je suis sûre de gagner. Ah, d'accord. Bon, alors, épiez-moi, je sors. Je sors. S-O-R-S. Le T est sorti. Bravo! On ne va pas en rester là. Je suis sûre que vous avez envie de nous demander d'autres verbes comme sortir. Bon. Bah, épiez-moi, je mens. Votre stage est excellent. Oui, par contre, j'ai pas compris pourquoi c'est vous qui signez un chèque en sortant. Oui, ça fait partie de nos accords. Madame l'Académie, ce petit mail pour vous dire qu'en termes de rentabilité, les voix de l'orthographe sont à l'air. Nestor. Orto. Gaffe.com Comme une vache espagnole.